Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui, petite vidéo spéciale. On joue contre Rell et il y a un pick qui marche très très bien dans Rell, c'est Alistar, parce que vous allez voir, je vais essayer de le faire en lane. Mais il y a une frame où tu peux cancel son combo. Donc bah c'est parti, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, petite précision, là on est bien, on est en ranked, on est low diamant au platine, au émeraude maintenant. C'est vrai que j'ai tendance à oublier l'existence de ce rôle. Alors qu'actuellement je suis émeraude 1. Ouais, elle bombarde la Elise. Pourquoi elle fait ça? La Elise, elle a un skin qui est tellement... Enfin, il est quand même rare. Hein. Héroïne de guerre, faut jouer. Faut vraiment jouer depuis un certain temps pour l'avoir celui-là. Et on a un AFK au mid, j'espère que ça va aller. Je suis pas fan de. Je suis pas fan de ce pick. Donc, ouais, on verra. Ok. Level 1, ça c'est nul. Hein. Alistar, level 1, c'est une chips. Donc, on va juste prier. On a loupé l'XP. On a loupé l'XP du premier creep, ça c'est dur ça. Ça c'est dur. Aïe. Ezreal, PTA. Je vais jouer vraiment derrière la wave. De toute façon, il va avoir le level 2 avant nous. Donc il va falloir faire attention en tous les cas. Poser une petite heure défensive. Qui va nous push rapidement sous tour. Voilà. Je vais juste faire attention au level 2. Je protège mon carry. Celui-là, je vais le prendre. Ok, j'ai le level 2, donc là je peux commencer à jouer. Je suis passé de l'étape chips à champion potentiellement jouable. Ok. Je la renvoie. Je mets les knights. Parfait. Super. Ping de la Elise était magnifique. De toute façon, elle a cramé son CC sur moi. Elle plaît. Parfait, bien joué la team. Bon, là par contre, Ezreal, je te le dis, fais pas le dingo avec moi. Parce qu'à tout moment. Non, je vais pas. Je vais roam. Elise a besoin d'aide. Ok, pas mal ça. Encore, j'ai mon E de qui a spawn. J'ai stun. C'est big. Ok, dommage. Ah, on pouvait presque enchaîner là si j'avais pu prendre le devant. Ah, c'est greedy de fou. Hein. On va l'aider, mais bordel, on la met trop bien là. J'ai pas de CD par contre. C'est insane là ce qu'on vient de prendre. Faut reset. Hein. Faut reset à tout prix la team. La Elise elle est trop gourmande. Hein. Ah, elle est morte. C'est dommage. Hein. C'est dommage de perdre cet avantage alors qu'on avait. Bah, on avait juste bien joué quoi. Bon, c'est pas grave. Hein. Pas grave, mais c'est dommage. On avait réussi à prendre de fou l'avantage. C'est trop bien joué. Ouais, on avait pas mal joué franchement. Mais juste la Elise elle voulait tout là. Elle voulait le beurre, l'argent du beurre. Elle voulait plus de la crémière en même temps, frérot. Donc, bah forcément, ça peut pas passer. Mais très très bien là niveau wave et tout. Je me fais poke à la mort là par contre. Ah, c'est pas de chance quand même. Je vais devoir flash out. Dommage, sur le seul timing d'agression, il y a un singe dans le bâtiment quoi. Pas de chance. Allez, poser ma ward. Ils sont morts, hein, je pense. Ok. J'ai mis l'ignite. Avec le dash in. Ah dommage, je meurs. Faut que t'aides la push. Aide la push. Oh la... La Fury, ouais, après elle voulait... Ouais, ok. Bon, elle voulait... Elle voulait sauver sa mid lane. Ok, ça se comprend, mais... Aurait quand même pu nous aider. Ça mangeait pas de pain. Salut Master, tu es matinal. Ouais, mon pote Twiz. Je suis toujours matinal, moi. Je suis toujours un gars matinal, j'essaye. Et encore là, mon réveil, il sonne à 7h45. Le kill peut-être. Let's go. Parfait, bien joué la team. Mon réveil, il sonne à 7h30. Et là, je me suis rendormi, tu vois. Donc en vrai, peut mieux faire. Hop. Ping sur la war pour gagner les 5 gold, vu que je ne pourrais pas l'avoir. Comment tu vas? Bah ça va mec, hein, et toi? Ça va, ça se passe? Bon, la lane n'est pas mal, la Rell joue pas si bien que ça, parce qu'elle met des aides un peu random. Donc dès qu'elle met des aides où ça couche pas ma Samira, derrière on peut dérouler. Elle est très bien ma Samira là. Je vais pas prendre la... Ouais, tu prendras rien, je te le dis. Ok, là il dit ce qu'il veut y aller. Là, je suis en colère. Ouais, non, ça pue, ça pue. Stop, faut s'arrêter. Si je touche pas mon combo, tu peux pas y aller. C'est moi qui engage. Ce jeu, faut vraiment stratégique. Bah, ouais, en vrai, si... Tu peux perdre des games parce que tu comprends pas grand chose au jeu, ouais. C'est bien vrai. C'est bien vrai ce que tu dis là, mon pote Twiz. Amiral 6, ok. Oh, trop chiant, putain. J'arrive pas à trouver un angle où je peux all-in. Surtout qu'en fait, j'ai envie d'all-in là, parce qu'on a le 6. Je prends un petit coup de potion. Il y a une dashing là ou c'est moi? Ouais, en fait Rell elle spam sa move speed à chaque fois que j'oline, donc assez complexe.
Ouais, en vrai, je peux me permettre ça parce qu'on a le 6. On a de l'avantage, autant l'utiliser. Mais ouais, all-in sur elle, ça a pas trop de sens. Hein. Tant qu'elle a encore ses CD, je vais juste me refaire remonter. Tu es quel rank? Je suis Emerald 1 là. Je sais pas si tu situes un peu les ranks sur LoL, frérot. Mais en gros, c'est exactement les mêmes ranks que sur Rocket League. Sauf que entre. Oh, nice. Attends, il se passe des dingueries là. Sauf que au lieu d'avoir. Au lieu de passer directement au diamant après le platine. Tu as un nouveau rank qui s'appelle le rank émeraude. Hop, je vais freeze la lane, donc là c'est super important ce que je fais. Parce qu'en gros, bon, je vais lui laisser la pink. Mais en gros là, je sécurise bah, les creeps à mon ADC. Donc je vais lui faire gagner de l'XP et des gold. Parce que sinon ça se serait retrouvé sous la tour. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais push la lane directement. Pourquoi? Parce que Ezreal vient de back. Donc là j'ai envie de mettre ses creeps à lui sous tour. Et l'empêcher de récupérer justement de l'XP. Je vais prendre de la vision dans la river. Et moi, je t'avoue que j'ai bien envie de back là. Donc une ward sur le Drake. Une ward ici. Ah. Ok, Novin. On va lui mettre une knight à elle. Wow, la dinguerie, frère. Bah après, elle a 3 kills. Hein. Ok, on est chez nous. Fini le Drake, fini le truc là. Ok, le combo sur deux joueurs. On met une knight. Magnifique. Drake les gars, on grid pas. On se faut safe Drake. Pourquoi on veut grid un mec? Ok, ça c'est du dive à l'état sauvage. Hein. C'est de l'occasionnel, non, c'est de la ranked là mon frérot. C'est de la ranked pure et dure. On peut faire le Drake la team ou pas? Venez, pourquoi ils veulent pas faire un Drake? Bon, bah je vais reset avec eux, mais j'aurais bien aimé faire le Drake. J'aurais préféré faire le Drake plutôt que de prendre un kill sur le Ez, mais vas-y. Faisons cela. Je vais prendre ces boots là. Et derrière on va reprendre une blink. FF. Ça j'aime pas quand les gens ils disent ils lâchent le FF. Faudrait vraiment que j'essaye un jour. Bah en vrai si t'essayes Babs, moi je te conseille un truc, c'est que faut jouer avec tes potes. Parce que le jeu est quand même aussi toxique que Rocket League. Ah j'ai oublié de prendre mon red trinket, j'ai trollé. Je vais ex-flash d'ici. Je vais pas sauter le portail là. Ah par contre tu trolls là. Là tu trolls mon gars. Ok. Dommage que Samir avait pas un jump. Hop là, on prend la ward, magnifique, une ward là, et on va dive sa mère, hein. Il y a 3 creeps pour dive. Les ward ici, on l'a vu. Oh le dashin est exécuté, c'est une mauvaise décision de la part d'Ezreal. Hein. Il le sait pas mais on va le carburer derrière. Vas-y. Ok. Il y avait le pose derrière, là, regardez, on s'en fout. Et le bump. C'est moi qui prends l'aggro. Je mets l'ulti pour tanker, pas trop ce qui se passe, mais ça m'a l'air d'être la fête du slip là. Une ward derrière, on prend ça, n'hésitez pas à taper. Ah ça y est, vous voulez faire un dragon? Mais c'est fou que le mec qui colle le Drake, ça soit notre mid laner et pas le jungle. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bien joué la team. On le reset, on va acheter directement le red trinket. Avant d'oublier. On prend un peu de résistance magique et ça court en lane. Le but, ça va être de prendre la tour. Parce que là, de toute façon, il y a 16-2. Hein, la game, si on la perd, c'est un sketch. Ça fait 10 minutes qu'on les explose là sur tous les coins de la map. J'ai trop envie de lui jump dessus là. Par contre, il fait mal. Hein. Il a son premier item. Ne t'inquiète pas, mon gars. Je fais le mariole. Ah oui, tes spells, bien joué ça. Je pose une ward là et ça dive. Hein, je vous le dis direct. Attends mon pote, tu veux pas reculer? Tu vas reculer, je te le dis. Hein. Ces temps de réaction. Je vais pas être aigri, mais les temps de réaction du S sont vraiment à chier. Hein. Parce que avec S, t'as 10 fois le temps de dash back pour te repositionner et faire en sorte que Alistar dash dans le vent en fait. Mais vas-y, un petit peu de vision, j'ai plus de ward là à disposition. Donc là on va roam, on va jouer avec le mid laner, qu'il est bien fait comme un cochon. Je garde mon Q pour le Z. Je protège. Ouais. Ça par contre je peux pas. Vous pouvez les tuer je pense. Vous pouvez vraiment les tuer. Après Naphiri a plus de mana, j'aurais dû regarder. FF. New game. Mais. 15. Mais pourquoi il écrit ça? Tu vois, ça c'est un truc que je ne comprends pas, mec. On a 23 fois les ressources des adversaires, on meurt une fois. Je donne même pas de shot d'Andrien, hein, frère. L'autre en face pleure. Mais vous savez que cette game, si... Ah, il a tout mis sur le clone. Vous savez que cette game, je suis persuadé,
que si la Elise n'est pas devant, elle run down la game. Parce que son gameplay, no joke, c'est un gameplay de terroriste. Je pèse mes mots. Hein. Elle a joué n'importe comment, elle a juste eu de la chance qu'on décale et qu'on vienne l'aider très tôt dans la partie. Parce que là, elle est devant, donc elle, c'est bien, tu vois, elle snowball, c'est cool. Mais je suis sûr que si on n'avait pas décale, elle nous aurait legit ping en mode « what the fuck ?» Syndrome de LOL, exactement mon frère. Merci pour ton follow d'ailleurs, Eddie. Ça fait plaisir de voir ton premier message dans le chat. Oh, j'ai été reculé. Je me mets devant. Ça te dit on s'en va ou pas? Ok. Oh, miss combo. Ah, oh, c'est bon, frère. Y'a pas à être une merde comme ça, hein. Encore. Je la prends, beaucoup, là, non. Je la prends, ça pink. Insupportable, les gens, gros. Ça va, je fais pas une si mauvaise game que ça. Je m'en sors bien. Y'a le drag dans une minute, donc c'est ça qu'il faut jouer. Ah, mais ça, c'est le cadavre de Velko. Je pensais que c'était un vrai joueur. Mais surtout vers elle, comme ça, elle peut pas combo. Très joli. Et du coup, j'envoie. Je mets l'ignite pour être sûr. Parfait, j'ai vu qu'il y avait une ping sur le côté là. Je vais aller l'enlever. Très joli cocoon là par contre. Respect madame. Oh, miss combo. Ah, c'est bon frère. Y'a pas à être une merde comme ça, hein. Quoi? Ok. Ah, j'aurais peut-être dû continuer, mais bon. Est-ce que ça vaut vraiment la chandelle? Je vais mettre de la vision. Comme ça, mon Gragas, il va pouvoir push. Et faut pas oublier qu'il y a le Dragon Soon la team, hein. Faut le jouer. Surtout qu'on a énormément de pression sur la map. Là, on va venir push la wave. N'hésite pas à mettre tes spells dans la wave, ma grande. Allez, elle est en train d'écrire. Je sais pas ce que fout Elise. Hein. Je vous jure que la Elise est juste devant. Car on a joué pour elle. Parce que bah moi, je suis à la place d'Elise. Là, au lieu de twerker... Ah, j'ai une assist. Bon, okay. Peut-être que j'ai été un peu dur. Mais je comprends pas pourquoi on grid des kills. Alors que juste, on pourrait jouer tranquille et prendre des ressources. Mais vas-y, bon, de toute façon, je vais back. Ça sert à rien, j'ai capté. Mais tu vois, là, on est en train de faire tous les camps de la map, frère. Tu n'es pas un... Elise n'est pas un jungle qui farm. C'est ça que je capte pas. Vas-y, tranquille, on va pas s'énerver, mais... Quand je la vois crever et lâcher un FF15 New Game... Ah, j'ai envie de l'étrangler, gros. Ah, tu vois, vous voyez ce moment de trop, les gars. C'est exactement ce moment-là dont je parlais. Ils vont tous crever, et on a un vieux Drake à 19 minutes de jeu. Pendant que la Gwen est en train de se régaler. Peut-être que là, le clutch... Close, hein. Franchement, close. Mais ça vous dit pas, on fait le Drake, la team? Moi, je fais mon rôle, je vais poser des wards. Donc là, la Gwen est en train de se régaler de plates. Can we take Drake? Ça fait 10 minutes qu'on doit prendre un Drake, là. Tant pis, hein, je vais faire le cap. Hein. Je le fais tout seul, s'il faut. M'en fous. J'ai cette ma vision, j'ai fait mon taf. Le Drake est legit gratuit, mais personne veut le prendre, ça me rend dingo. Mais bon, vu les calls d'Elise, je vais pas la blâmer. Hein. Mais quand t'es jungle, tu devrais être un petit peu au courant de ce que tu dois faire dans la game, quoi. Tiens, mon pote, je te l'envoie. Prends ça. C'est pour toi, mon grand. Je suis tellement généreux, mec. Regarde, ils sont tous au top. C'est free. Pitié, faites-moi ça. L'autre, elle est en train d'encore... Regardez ce qu'elle fait. Et je n'en peux plus, hein. Elle est en train de prendre des camps qui vont lui servir à rien. Et ça ping de l'aide. Ah, ça me rend fou, hein. Non, vraiment, ça me rend... Ça sert à rien, ce qu'elle fait. Son perso ne ferme pas. Je pense qu'on gagne en 4v5. On a tellement d'avance que... Ah, il y a un collègue, là. Faut que je joue avec ma Samira. Pas simple. J'ai utilisé toutes mes wards pour le Drake. Cette game va être dure à finir, je vous promets. À cause d'un joueur qui ne veut pas gagner la game. Si c'est wardé. Oh, outpause. On punit. Outpause, elle fait quoi, elle? Elle a rien à faire là, elle. Hein. Et voilà, c'est dur ou pas League of Legends? Non, c'est facile, arrêtez de rendre le jeu plus dur qu'il ne l'est. Oh, c'est chiant, hein. Là, on peut prendre double inhib. C'est un truc de dingo, hein. Là, Elise. Je vais remettre une couche sur Elise, hein, mais c'est mérité, hein. La Elise, la game est si dure à cause d'elle qui ne veut pas faire les objectifs pour finir la partie. C'est un truc de dingo, hein. C'est un truc de zinzin. J'aurais pas dû prendre mon... Dégage, toi. Par contre, j'ai pas de Q. Ok, j'ai un Q. Oh la dingue. Ok, on est trop gourmand là. On est trop gourmand la team. C'est bon, on a pris 2 kills, je suis à sec. Est-ce qu'on peut rentrer au bercail? Ah, c'est l'overstay. Hein. Ça c'est l'overstay, je reconnais.
Bon, heureusement que c'est des quiches Lorraine en face, mon gars. Bien joué à tous. Mais tu sais, ça, contre des joueurs qui ont 3 de QI en plus, ça marche pas. Hein. Report, vous compte. Oh, vas-y, elle a Ellie, je vous jure que je vais la report, elle me rend fou. Hein. Ce qu'elle met dans le chat depuis le début de la game, c'est illégal. Détruit une merde à ce point. Hein. Ah, j'ai pas le combo. Nice, bon, on a gagné. Bah, si ça vous a plu la game, n'hésitez pas à vous abonner à la team. C'était Master, prenez soin de vous. À vous les studios.